Salut tout le monde, bienvenue sur Resident Evil 4 Remake. On va entamer le chapitre 11 avec Louis Serra qu'on vient de retrouver. On va voir un petit peu ce qui nous attend. C'est parti. Wow. Tu te sens mieux? Ouais, je crois que ça a marché. Malheureusement, ça te permet juste de gagner du temps. Les effets de l'inhibiteur s'estomperont bientôt. T'es prêt à y aller? T'en fais pas pour moi. Ashley est la priorité. Dans ce cas, on sait ce qu'on a à faire. En route, Sancho Panza! Allons secourir la princesse Dulcinea. Fais gaffe, tu vas te faire mal. Hey, c'était ma lance! Ok, on dépêche. Ah, et au moins il a le sens de l'humour, oui, ça c'est cool. Donc là on est avec Louis dans la mine, ok. Quoi tu m'aides? Qu'est-ce que tu gagnes? Pas besoin d'être aussi méfiant. Je t'ai dit que je t'aiderais, non? Ah. J'ai quelques nouveautés en stock. Viens y jeter. Alors, on continue de faire des munitions de fusil, comme ça on est bien. Alors, est-ce qu'il y a un trésor dans le coin? Non. Par contre, je crois qu'on va aller faire un petit tour du... Déjà chez le marchand. Bienvenue. J'ai plein de choses intéressantes à vendre, étranger. Mieux vaut prévenir que guérir, n'est-ce pas? Le monocle. Merci. C'est du bon travail, si je peux me permettre. Lui, on pourrait encore améliorer sa puissance à 11. Toi. Sans les fonds nécessaires, je crains que nous ne puissions faire affaire. Modeler une arme pour répondre à tes besoins. Oh, yeah. Et c'est ça pour voir. On commence à bien cerner. Reviens quand tu veux, surtout. Allez, on va aller faire le guignol chantier un peu. Est-ce que t'as une sauvegarde à côté? Alors. Journal du contre-maître, 11 octobre. Aujourd'hui, c'est la pire journée de ma vie. C'est le 5e anniversaire de ma fille. Mais voilà, cassé sur un bateau mité en disant d'un endroit pourri de la RPI. Si la paix n'était pas bonne, je crois que nul n'accepterait de travailler mieux nulle part. 19 octobre. Les types du château nous rappellent constamment de faire attention durant l'excavation, mais des ouvriers se sont effondrés après avoir inhalé de la poussière. Il se passe quelque chose dont ils ne veulent pas nous parler, il y a beaucoup trop de secrets ici. Je commence à tousser, je devrais dormir. Cela ne va pas du tout. J'ai caché du sang 3 fois aujourd'hui, je me sens tellement faible que je peux à peine bouger. Merde, je n'aurais pas dû venir ici. Je l'ai fait pour l'argent, mais finalement c'est moi qui en paye le prix. C'est vraiment un père. Annie, pardonne-moi mon ange. Depuis octobre, date octobre, depuis matin, la tête marche plus. Pourquoi? J'ai craché plein de sang, plein d'insectes rampes. J'entends une voix. Encore une superbe journée de travail, creuser ma porte autant de joie. Ma vie pleine de bonheur, je devrais tout vous dire sans désordre, Lord Sadler. Ok. Salut, bon. Alors, il nous reste quoi là-dedans? Allez, viens, mine-toi, Léon. Oui, Louis. Ah, te voilà! Une nouvelle épreuve t'attend, étranger. J'imagine que tu meurs d'envie de t'y frotter. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oh! Ah ouais! Bah écoute, let's go alors. 8000, 8000, 9000. Ok, mais il doit y avoir un truc. 2, 1, allez! Vas-y à fond, même si c'est zéro respect. Ça a l'air facile comme ça. Toi, t'es un artiste, l'ami.
Merde, où est-ce qu'il va? Alors. Ok. On va recommencer. Ils sont rigolos les démons. Ok. En fait, c'est le dernier qui est sûr. Je dois reconnaître que nous t'avons peut-être un peu sous. Ah, et Punisher après, il va être sûr. Merde. Oh, j'ai pas réussi à le faire sauter. Superbe tir. Je le dis. Voilà. Ah, raté. Merde, ah. Je l'aurais eu, je pense que je pouvais vite recartonner derrière. Bon allez. T'es sérieux là? Bon bah c'est mort. Voilà, 2009. Ah, j'ai loupé la dynamite, ça pue. Zéro respect. Superbe tir. Toi, t'es un artiste, la vie. Ok. Bon, il y a du mieux. Non, pas la dynamite, on va tout perdre les points sinon. Pas de panique. Bien. Pas de panique toujours.
zéro respect. Et c'est fini. Combien? Ok. Alors pourquoi il m'a pas accordé le temps? Bien joué. Détruit tous les pirates en 10 tirs au moins. Ok. 3, 2, 1, allez. Oh, magnifique. Ça a l'air facile comme ça. Voilà. Recharge. Zéro respect. Ok, faut que je vise la dynamite à chaque fois alors. Mais je vais faire un TK de malade en vrai, si je fais ça. Je dois reconnaître que nous... 3, 2, 1, allez. Ok. Il y a un truc à mon avis. Il y a un truc, mon 10 tirs ou moins. Un fusil à pompe, de quoi toucher une large zone avec une seule cartouche. Ça, c'est de l'efficacité. Détruire tous les pirates en 10 tirs ou moins. 3, ok. 2, 1, allez. Voyons ce que tu sais. Remarquable. Zéro respect. 3. 4, 5, 6. Recharge. Toi, t'es un artiste, la vie. 7. Ça a l'air facile comme ça. Et maintenant, okay. Une avalanche. Vas-y, allume-les comme un zéro respect. Voilà. Ok, parfait. Sale. Je crois bien que nous avons un pro de la gâchette parmi nous. Alors, Punisher 8000, ok. Meilleur score inconnu, condition bonus inconnu. 3, 2, et lui, il est transperfor, attention. Allez, triple. Très, très bien. J'en ai touché une cible. Superbe tir. Oh, dedans. Bien. Ça a l'air facile comme ça. Merde, non. Et c'est fini. 6200. Ok. Une carabine te permet d'éliminer plusieurs cibles d'un seul coup. Revanche, détruire tous les pirates en 10 tirs au moins. 3, 2, ça va être chaud, patate celui-là. Allez. Vas-y à fond, même si c'est qu'un jet. 3 d'un coup, t'es en forme. Coup triple. Waouh. Ok, faut y aller en diagonale. Ok. Ah, il manquait pas grand chose.
Alors attends, sauve, save. Alors attention ici. C'est bien. Alors attends, 1, 2, 3, 4. Zéro respect. Ok, j'ai. Il y a un truc à la fin à faire. Il y a un truc à la fin à faire. Non, merde, c'est pas le bon. Bon, au moins on va essayer. C'est une dernière fois celui-là, sinon j'avancerai, tant pis, je reviendrai plus tard. Oh. Il y a un truc sur la fin. 3, 2, 1, alors, 3. Alors, attends. En 1800. Ok. Alors, attention. Alors, attends. Ah, c'était ça l'astuce. Ok. Olé. Essayer celui-là. Oh zut, je me suis déjà foiré. Une histoire de timing à la fin. Oh, magnifique.
Un fusil à pompe, de quoi toucher une large zone. Je reviendrai plus tard pour le 3C. Ça, c'est de l'efficacité. Bravo, cowboy. Je me suis pas ennuyé en te regardant. Coût de réparation des tout couteaux, 30%. Fanatique avec bouclier, fréquence de création des cartouches de pompe plus 1%. Eh, ils ont repris les anciens trucs des figurines dans le 4 original. Oh. Bah, on reviendra plus tard. Jette un œil, quelque chose va forcément te plaire. Bienvenue. Alors, qu'est-ce que t'achètes? J'achète tout et n'importe quoi. Merci. Tu sais, j'ai pas toujours ça. Eh ben non. Oh, les couteaux de botte, j'en ai trop. Hein. Trésor ou babiole, ça n'a pas d'importance. Déjà, les mines, je m'en fiche. Par contre, c'est nous qui le décidons. Les carreaux, je m'en fous aussi. Une affaire bien conclue. J'ai plein de choses intéressantes à vendre, étrange. Reviens bon. Quand tu veux, surtout. On réessayera lorsqu'on aura l'opportunité. Bon. FR2 SC1A, j'ai envie de dire, c'est plutôt pas mal. J'ai un peu de mal à faire confiance à quelqu'un qui a bossé pour Umbrella. Alors t'es au courant. Umbrella n'existe plus. T'as plus besoin de te préoccuper d'eux. Ah, Louis aura travaillé pour Umbrella, je comprends mieux. Pas répondu à ma question. Qu'est-ce que tu cherches? Je veux juste être en paix avec moi-même. Faire un monde honorable. Quelque chose comme ça. Depuis quand c'est bloqué ici? Avant ça menait à la sortie. On dirait qu'on a de la compagnie. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, un tronçonneur. Merci, costaud Salvador là. Regarde pas. Oh,
Ouais, juste. La villageoise. Oh non, non, non. On s'en bat, toi. Tu restes comme t'es, t'es bien comme t'es. Encore une, non, mais ça suffit un moment. Ah, c'est bon. Encore un saphir. Bien sûr, je vais pas manquer de pierres précieuses. Hein. On va déjà récupérer tout ce qu'on peut. Et dès que possible, j'en ferai. Alors, bah, le fusil, je suis large. Hein. Donc on va récupérer tous les trésors. Attends, tu me dis qu'il y a un trésor là-haut, au fond. Ok, il va falloir grimper là, c'est sûr. Par contre, on peut peut-être aller la récup. Il y a une échelle là. C'est une spinelle supplémentaire. Voilà, le point que je suis content de ce stream, c'est buter vers du Hugo lance-roquette, ça fait toujours plaisir. Ouais. Il y a quelque chose là-dedans? Non. C'est fermé. La petite ferraille. Ok, là on se remet bien. Ok. Alors le deuxième trésor. Il est là. C'est un saphir encore. Tout
Oh non non non. Tu restes comme t'es. Un sablier doré, ça c'est cool. Ça fait 32. Sur 41. Encore cette Oh, il y a des caisses là, on pit tout. T'as le pognon qu'on sent en fin de game, c'est ouf. Je pourrais utiliser ça. De la dynamite, hein? Belle trouvaille, mon ami. Ouais, on va pouvoir déblayer le chemin. On sort à niveau vie, on est pas mal. Attends, je vais pas dans le bon sens en fait. Logiquement. Non, c'est pas par là, c'est de l'autre côté. On va vite faire péter ça. On va peut-être pas rester là non plus. T'es sérieux? Je suis mort sur l'éboulement. Bon, ok. Ça c'est une mort con. De la dynamite, hein? Belle trouvaille, mon ami. Ouais. Ça s'appelle un fail. Le chemin. Oh, attends, il y a de l'or là-bas. Là, il nous reste 9 trésors encore. Ok, on va vite falloir se barrer alors. Vite. Reste là. Il y avait une note. Lien de stockage des explosifs. La dynamite est transférée à stockage de M4. Les éboulements sont fréquents. Restez à bonne distance du point d'explosion. En cas de sinistre, déblayez rapidement la zone. Assurez-vous que le personnel est en nombre suffisant. Ok. Tu te défends plutôt bien. T'es sûr que t'es qu'un simple chercheur? Je suis juste un mec normal, même si j'ai plutôt du succès avec les femmes. J'essaie d'en avoir un peu sur le background de Monsieur Luis Serra Navarro. Ok. Après toi, j'insiste. Un vrai gentleman. Wow.
revendra ça. Oui, fais gaffe. À chacun. C'est toujours comme ça, dis-toi. Ah oui, bon ça va, là on est avec Louis, donc ça change la donne. On récupère tout ce qu'on peut, on court. Ok. Ah zut, raté. Bon, attends, on va peut-être tenter de faire tomber celui qui est... Ça va être chiant. Ok, je sais comment on va les avoir. Oh, c'est abusé ça. Y a pas. Mais d'où? Tu m'expliques ça. En fait, c'est peut-être un bon plan, hein. Attention les chiottes. J'y vais. Oh non, mais d'où? Non, ça c'est pas normal par contre. Il bouge au dernier moment, c'est pas... Il y a un truc à mon avis, j'ai pas l'info. Ça y est. Yes, et là. Voilà, c'est ça que je voulais voir. Et celui-là. Viens occuper notre ami. Reviens. Allez, on se bat comme ça. Il faut courir en fait, tout on a compris. Bah ouais, mais... Alors... Magnifique. Le plan se déroule sans accroc. Allez, on n'a plus qu'à la suite.
Voilà, hop. Changer mon compte. Alors ici, il faut qu'on fasse attention avec les traiteurs parce qu'à mon avis, je crois, il me semble qu'on ne peut pas revenir. Donc là, on a tout. Bien. Alors ? Voilà, c'est ouvert. Ah, ok. Alors. Eh ben, on a chié. Quand je pense qu'ils ont des monstres comme ça, même ici. Ce sous-sol est sacré pour eux. C'est ici qu'ils ont découvert Las Plagas. Conservé dans des dépôts d'ambre très anciens. Ils avaient que ça à foutre. On entend des illuminados. Une herbe verte, je prends. Ah, ça, on arrive, les amis. Je veux quand même pas qu'on monte là-dedans. Parce que t'as une meilleure idée. Eh bah écoute, tu sais quoi? Je sais qu'il y a un succès ici. En gros, il faut prendre aucun dégât sur le chariot, sur les deux sections, parce qu'il y a deux parties. Donc si j'arrive pas là, tant pis, je le referai de mon côté. Allez, pousse, Sancho. Ah. Qui est-ce que t'appelles Sancho? Ça y est, on roule. On devrait aller plus vite avec ça. J'arrive pas à croire que je fais ça. Hey, on est pressé, non? Oh, au fait. Quoi encore? J'espère que t'es bien attaché. Ok. Donc logiquement, s'il faut aller à droite. On va dérailler! Pense-toi! On va dérailler! De quoi que tu veux! Merde! Occupe-toi de ces plantes! Alors. Ah dommage, je l'aurais pas. Tant pis. J'ai pas été assez rapide. Attends, je vais juste réessayer une deuxième fois si je vois que j'y arrive pas. Je vais juste essayer après, sinon, si j'arrive pas, tant pis, je referai de mon côté. Joli. Heureusement que nous avons une munition infinie. Oh putain. Non. Oh.
tente, hein. C'est pas bien, vous allez me dire, mais je comprends. Bon, l'outil est craché. La dernière. Mais non, il y a un truc que je comprends pas là. Je lui dis de tirer, il tire pas. On se met du côté de Luis, ok. Merde, je t'ai tiré. Oh, il y a un bug ou quoi? Je dis tirer. Non, il tire pas. Il tire pas. Comment ça se fait? Oh. Il dirait que ça va pas être pour cette fois. Hein. Mais alors lui ses missiles sont téléguidés, hein. Bon, tant pis. Non, non.
Allez, mon vieux. Ok. Ok. Comme ça, on passe à droite tout de suite. Ok. Voilà, parfait, ça sert à mon problème. Oh, 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 oh. Et ça, c'est la première partie, c'est ça? Il y a une deuxième partie, je suppose. Il y a une autre sauvegarde là. Il n'y a pas d'autre sauvegarde. Bon. Merci. Où est-ce que t'es? Ou un pichet, ça c'est bien. Je t'ai vu. Tout de suite récupérer tout ce qui est possible. Okay. Je sens que ça va être galère encore. Au moins j'aurais réussi à faire une moitié. Donc là je devrais me pencher tout de suite à droite. Voilà. Parfait.
Tranquille. Parfait. Donc on ne sera pas court de balle. Non, je suis pas d'accord là. Bon, ok. Oh non, je suis pas d'accord. Oh non, ça c'est abusé. On va dérailler, donne-moi un coup de main. Mais non, c'est pas d'autre côté. Wow. Je crois qu'on va faire le chapitre 11, on s'arrêtera au chapitre 11 ce soir, on va le terminer. Allez mon vieux. Alors que j'ai fait tout ça pour rien, je vais pas de l'avoir. Non, c'est de l'autre côté. Ok. Dernier. Ouais, je l'ai eu comme sur des roues. Bon, désolé, hein, mais je le voulais succès. On pourrait faire plus clair. Oh oh. Luis, vous m'aidez ?
jusqu'à 3 la prochaine fois. Ok, Sancho? Ouais, c'est ça. Oh la vache! Mais finalement. Bon. On sort bien? Oui. Lui, il sera plus à refaire. L'ascenseur. On doit pouvoir faire le tour. Allez, viens. Journée de merde. Donc là, il y a encore un trésor ici qu'il faudra aller récupérer un moment. Alors, trop de nos camarades ont perdu la vie à cause de ces insectes qui viennent sans arrêt, c'est un véritable fléau. Que quelqu'un détruise les entrées de leur énorme menu pour éviter une nouvelle tragédie. 4 spinels, il faut détruire les cartes. Ok. Une herbe jaune. Bon, une première entrée. Deuxième entrée. Ok, donc les Novistadors, on a déjà eu deux de leur nid. Bon, il y a deux possibilités. Alors, je vais tenter les deux. Hein. Pas aller par là, ok. Il a le dernier, regardez. Hop. Parfait. Mission accomplie. Tu l'as dit. Bon, on va se mettre quasiment la vie à fond, là, ça c'est cool. Putain, là, on va être bien, Mikoko. Merci, voilà.
J'ai deux grenades aveuglantes. Bon, j'ai de la mitrailleuse, mais je m'en fiche. Oh, attends. Ah. Une grande barre d'or. Ça, ça va rapporter encore plus d'argent. Alors, le pichet. Vu que j'ai pas mal de saphir, j'en mets deux bleus. On a 14 400. Parce que si je mettais un bleu, un jaune. Ah, 16 500. Écoute. Oui. Juste. Il y a un truc là, non? Ah bah oui, je me disais bien. Alors comme ça, t'as terminé une requête, hein? Bon travail. J'ai plein de choses intéressantes à vendre, étranger. Merci. Des jetons d'or. Ouais. Comment? Tu veux savoir où... Belle intuition, étranger. Rien de plus facile. Essaie d'y faire attention, d'accord. 4,50 tu prends. Et voilà, comme tu l'as demandé. Le Broken Butterfly, il va être pas mal. On revient quand tu veux, surtout. Bon bah on aura battu Verdugo et on aura fait le succès des wagons phares, c'est pas mal. Risquer ta vie comme ça. On se connaît à peine. Je te l'ai dit. Ça m'aide à me sentir mieux. Sois franc avec moi pour une fois. Los Illuminados. J'ai travaillé pour eux. Tu vois, je le savais. Vous aider tous les deux n'efface pas le passé. Je le sais. Mais quand même, je veux pas qu'il y ait d'autres victimes. Dans ce cas, arrête un peu de déconner. T'y vas fort pour un écuyer. Ah oui. Oh, attends. On est sorti de cet enfer. Ah, ça commence à sentir l'air frais. Pour le film. Parce que si on est arrivé jusqu'ici, ça veut dire qu'on est presque. Oh. Louis. Ça fait un sacré bail, hein, le bleu. Major Krauser. Mais putain. Pourquoi? Je viens récupérer des objets volés. Et j'en profite pour... La VF, elle est classe. Je sais plus c'est qui le doubleur, mais... Un plaisir. C'est celui qui doublait de Sao Sao dans le fucking Total Fucking Dumps. Et qui fait la voix de... Qu'est-ce que je t'ai appris? Les couteaux sont plus rapides.
Il n'y a plus les QTE comme avant, c'est... C'est cette secte qui vous manipule ? Ça n'a rien à voir avec elle. Je suis un homme libre qui a fait un choix. Ok, j'ai un peu de mal, mais bon. Voilà. Mange-toi ça. Allez. Concentre-toi et montre-moi ce que t'as dans le ventre. T'as donc rien à mourir ces deux dernières années. Ils sont tous tués, sans honneur, sans pitié, mais avec leur puissance écrasante. Alors que si j'ai pas la pouvoir la Krauser. Je peux comprendre. Ce qui s'est passé était impardonnable. Mais c'est pas une raison pour vous en prendre à des innocents. T'es un petit monde. Tu t'accroches encore au mythe du mal. Et serre. Encore. J'appuie sur B, hein. Oh. Puissant Krauser. Assez joué, le bleu. T'as vraiment pas changé d'un poil. Quelle déception. On va le revoir, ça c'est sûr. Ça se présente mal pour moi, hein, amigo. Et quelle perte pour les femmes du monde entier. Parle pas. Prends ça. C'est la clé de mon laboratoire. Vas-y. Et élimine ces putains de parasites. Sauf... Ashley. Dernière cigarette d'un homme hors de la mort. Tu sais, j'ai fait des conneries dans ma vie. Mais maintenant, qu'est-ce que t'en dis, hein, Léon ? Les gens peuvent changer, non ? C'est ainsi que Perry Lewis sert, victime d'un coup de couteau mortel dont par le Major Krauser. Et c'est la fin de ce chapitre 11. J'espère qu'il vous a plu, il a été plein de rebondissements. Et maintenant, bon, certains vont dire, ouais, t'as quand même rechargé plusieurs fois pour le succès. Bon, oui, mais je le voulais, le succès. Je vais aller chercher, ça c'est le plus important. J'espère que ça vous a plu tout de même, l'histoire, le scénario et puis l'action. Je vous dis à la prochaine pour la suite de l'aventure Resident Evil 4 et mec, prenez soin de vous. Ciao, ciao.